Non, on innove. Là, on fait un débrief d'atelier à trois. C'est la première fois qu'on le fait et il y a une très bonne raison pour laquelle je vais le faire, mais ça va vous être apparent dans 2 minutes. Mathieu, avant de parler de la grande percée de cet après-midi, qu'est-ce que tu as eu comme prise de conscience hier sur la phase de rencontre dans ce week-end que tu as fait avec nous ? Tant que ça. Non mais là, je vais te simplifier la question. C'est quoi le truc le plus dingue que t'as fait dans la rue hier après-midi ? Parler à des femmes. Quoi, t'avais jamais fait ça ? Si, mais on va dire que j'ai plus tellement d'appréhension à le faire en tout cas. Et du coup, t'attends quelqu'un là ? Oui, j'attends un ami. D'accord, ok. Donc du coup, c'est pas le bon moment quoi. Mais après c'est bien un ami, mais bon. Ouais, parce qu'il faut dire que c'est ton deuxième week-end avec nous. C'est ça, ouais. Quelle différence marques-tu entre le dernier week-end et celui-là ? L'aisance. L'aisance. Ça s'est manifesté dans quelle situation et de quelle manière ? Avoir beaucoup moins peur de l'échec. Et l'amusement. Énorme. Ok. Et c'est quoi la configuration la plus difficile que tu as fait ce week-end ? Trois. T'interjecter, Brenda. Il y avait les trois, trop quatre touristes anglaises ou allemandes que tu as eu sur Opéra hier, près du Café de la Paix. C'était moi ça ? Oui, c'était toi. C'était Café de la Paix. T'as le cerveau retourné. Le café vert, je t'ai dit, vas-y, il y avait énormément de monde. I came to see you because I find you really cute. Thank you. C'était très marrant, mais c'était plus dur déjà. Bah bien sûr, c'est plus dur. Et ça dépendait des cultures des personnes aussi. Il y avait des personnes qui étaient très réservées, mais c'est aussi par rapport à leur culture. Mais ça, je l'ai expérimenté le soir. Comme 4 coréennes. Ouais. Qui ne parlaient pas forcément bien anglais. Et du coup, en fait, j'ai fait un karaoké avec, avec okay. elles. Ouais. C'était drôle, ça n'a pas été très loin, mais c'était un bon moment, ouais. Ouais. Et cet après-midi, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la sexualisation. Oui, c'est-à-dire qu'on a fait un exercice pour se positionner en tant qu'homme dans un rendez-vous, plutôt qu'ami, pote, confident. Et il faut dire au début, c'était pas évident pour toi. Hein. Pas du tout. On peut dire que tu pars de loin. Ouais, très loin. Et à un moment, je sais pas dire ce qui s'est passé, mais à un moment, tu as eu une sorte de lâcher-prise et tu as connecté avec ce qu'on peut appeler ta partie animale, et tu as pris des initiatives. Ça a fait quel effet chez Brenda ? Faut demander à Brenda. Alors, Brenda est un petit peu gênée, et je pense que t'as pas trop envie de dire dans quel état tu étais, donc je vais juste révéler que... t'es parti te mettre de l'eau sur le visage, quand même. C'est la première fois que ça t'arrive en atelier. Hey, ça fait 3 ans que tu fais ça. 3 ans et demi que je fais des ateliers Morning Kiss. J'ai vu passer plusieurs par mois, quasiment tous les week-ends. Les week-ends quasiment, des gens très doués. Enfin, on en a eu de tous les niveaux chez Morning Kiss. Ouais. On a eu des gens qui avaient de l'expérience, d'autres un peu moins. Mais on a eu quand même une poignée d'élèves qui étaient vraiment doués et au fur et à mesure qui savaient se développer là-dedans. Et c'est vrai que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était très déstabilisant parce que on a beaucoup parlé avant avec Mathieu. On était tous les quatre, enfin les autres élèves et nous en train de discuter pour essayer de comprendre où était la croyance à briser, parce qu'il y avait quelque chose, il y avait un cheminement, et nous chez Morning Kiss, on essaie vraiment d'appuyer sur le point particulier qui fait qu'il y a une croyance qui a été créée et on la brise, et c'est comme ça qu'il y a des élèves qui vraiment arrivent à se révéler et à révéler leur côté masculin. Et là, c'est ce qu'on a fait.
Et c'était le jour et la nuit, parce que là, la prestation qu'a fait Mathieu était à mes yeux une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure, que j'ai eue en 3 ans et demi. J'étais... c'était hyper agréable. En fait, j'ai même envie de dire que c'était beau, alors qu'on était dans un exercice. Mais je me suis sentie tellement belle. Enfin, c'est... Voilà, je pense... C'était beau et c'était excitant. C'était beau et excitant, oui. T'étais dans tous tes états, après. Calme-toi. Ah, mais écoute, on n'avait pas la caméra. L'excitation est quelque chose d'émotionnel. Enfin, moi, en tant que femme, après, c'est peut-être que mon avis, mais j'associe énormément mon excitation à mon état émotionnel. Mmh. Et là, j'étais... Enfin, je trouvais ça tellement beau de base que ce que je trouvais beau, c'était l'excitation, l'intensification que ça a créé en moi. Alors qu'avant, enfin, je veux dire, j'étais pas du tout excitée ou j'avais rien qui laissait paraître une forme d'excitation, quoi. Mmh. J'étais dans mon environnement de travail, je faisais mon travail, etc. Et là, c'est vrai que la façon dont il me regardait, dont il me parlait, dont il me touchait, ça a créé un truc où j'ai oublié en fait que j'étais en exercice. Et c'est la première fois que ça me le fait, ça. C'était très agréable et je ne m'y attendais pas. Surtout, c'est rare que je dise que je ne m'y attendais pas en atelier. Mmh. Mais là, c'est vrai que c'était le jour et la nuit, simplement parce que Mathieu a su se débloquer. À un moment, il s'est dit, je vais tenter quelque chose que je n'ai jamais tenté, je vais risquer un peu le tout pour le tout. Et là, il le pouvait parce qu'il était dans un environnement assez safe. Mmh. Et hier, je t'ai dit, Mathieu, de prendre des risques. Je te l'ai répété à plusieurs reprises hier. Mmh. Hier, tu sais quand. Et là, j'ai l'impression que les mots que j'ai dit hier ont pris tout leur sens. Parce que c'était certes safe parce qu'on était en simulation et que c'est mon métier et que voilà. Mais c'était quand même une façon dont il pouvait me déplaire, pendant laquelle il pouvait me déplaire. Mmh. Mais il m'a posé contre le mur. Il m'a pris les mains. Enfin, et c'était hyper agréable. Et j'aurais... Enfin, ce moment-là, c'est un souvenir maintenant pour moi. C'est quelque chose que je ne vais pas oublier, je pense. Enfin, en tout cas, dans ma carrière de coach. Ouais. Et sûrement de femme. Sur ton lit de mort dans 80 ans, tu vas penser à Mathieu. Non. Alors, non, oui, non, sans révéler exactement ce que Mathieu a fait, mais je vais vous donner quelques grandes lignes. Il n'a rien fait de magique. Il a simplement pris des initiatives. Il a mené la danse avec Brenda, la danse de façon métaphorique, bien sûr. Et il lui a dit... à Brenda ce qui lui plaisait en elle, et il l'a dit de façon très sexuée, de façon très intense, avec tout était dans la façon de le dire, dans le non-verbal, dans le paraverbal, avec un regard très sexué, très assumé, et voilà, c'est extrêmement viril. Top. Bah écoute, merci pour ton courage, Mathieu, parce que tu t'es mis en danger, tu nous as fait confiance pour t'accompagner dans ce saut que tu as fait, parce que tu étais méconnaissable. Et donc j'adore, ça va transformer tes rendez-vous à venir, et pour le bien des femmes avec qui tu vas être. Et donc ça, je sais que Mathieu, tu es animé par un respect des femmes, et ça va leur apporter beaucoup de choses, c'est un cadeau que tu leur offres. Ce que tu as offert à Brenda dans l'exercice, c'était un cadeau que tu lui as offert. Et maintenant, tu vas pouvoir offrir ce cadeau en le réimprovisant à chaque fois à une sauce un peu différente, parce que c'est pas du copier-coller. Non. Donc, topissime. Et ce qui est cool, c'est que ce week-end était très différent du week-end dernier. Parce que le week-end dernier, tu as fait une première percée. Et là, tu as à nouveau cassé un nouveau plafond de verre pour faire une deuxième percée, donc un deuxième gros saut en avant. Donc, merci pour ton courage. Merci à vous. Bye bye.